Signé Furax. Neuvième épisode. J'avais une si bonne nouvelle à vous annoncer que je ne pouvais pas y résister. Hein? Ah, une bonne nouvelle? Oh, une merveilleuse nouvelle, il a raison. Racontez. Eh bien, je crois que nous avons réussi, Carole et moi, à fabriquer le réimpolateur de densité. De quoi? Le réimpolateur, c'est-à-dire l'appareil antidote de l'extrapolateur de densité qui a servi au babus pour dégraviter et réduire les monuments volés. Mais c'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire, mes amis, que je serais en mesure, si nous récupérions ces monuments, de leur rendre leur taille et leur poids originel. Oh, bon sang, professeur! Joli travail! Père et moi, nous avons travaillé d'arrache-pied. Oh, si notre cher Théo avait pu voir ça. Mais dites donc, professeur, dans le fond, c'est important ce que vous avez fait, hein? Oui, je crois, oui. Car n'oubliez pas que les babus n'en sont pas arrivés à ce point. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont enlevé et torturé Théo. Et vous êtes sûr de vos résultats? Autant qu'on puisse l'être sur le plan théorique. Ah, oui, ça n'est que théorique. Eh, oui, bien sûr. Comment savoir si nous avons réussi notre appareil tant que nous n'aurons pas un monument réduit pour l'expérimenter? Enfin, j'ai voulu vous offrir cette bonne nouvelle comme cadeau d'adieu, puisque paraît-il vous quittez la France. Ah, oui. C'est chic, professeur Hardy Petit. Merci. On se sent moins seul, voyez, dans notre lutte contre les babus. Et vous partez bientôt? Demain matin, la première heure. Pour l'instant, bagage. Je vous souhaite beaucoup de valises et très peu de mal. Ah, bravo. Pas de baisse. Monsieur Black, Monsieur White, Jésus, Marie, Joseph, eh ben, vous appelez ça faire vos bagages? On dirait une estope de brocanteur. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle Fiotte, on n'est pas doué. Oh, bah, je vois. Bon, alors écoutez, laissez-moi faire, je prends la direction des opérations. Oui. Hein. Bon, bah, alors étendez un drap de lit par terre, là. Voilà. Allez, hop, bon. Envoyez le vestiaire. Allez, là, tancez, là, mieux que ça, voyons avec les pieds. Bon, allez, nouez le drap. Là, allez, serrez fort. Allez, un grand coup, là. Là, asseyez-vous dessus. Oui. Voilà. Dites donc, au fait, vous avez une armoire? Ah oui, je crois bien, la grande, là. Oh, bah vous pouviez pas le dire. Allez, bon, alors mettez tous les paquets dedans. Allez, tirez un peu, là. Voilà. Allez, fixez le tout avec du papier de mousse, là. Voilà, fermez la porte. Et voilà. Tout est en ordre. Alors, on emporte l'armoire? Bah, naturellement. Il n'y a pas la place dans votre corbillard. Oh, si, oh là. Bon, allez, tout y est. Ah, je crois, voyons, oui. Il ne reste plus rien. Tenez ce presse-papier en bronze. Ouais, là. Oh, sans intérêt, oh, ça, bon, oui. Bon. Comment sans intérêt? Bah ouais. On peut quand même l'emporter, non? Ça peut servir, d'autant que, regarde, il est joli, non? Oh, dis donc. Quoi? Mais regarde, vieux, le lion de Belfort. Le lion? C'est le lion de Belfort, le vrai, celui de la place d'Antan Ferrochereau. Le lion de Belfort réduit, tu te souviens pas? Mais si. Hey. On l'avait récupéré hors d'ici sur le... Ouais. Dans l'usine poudre et légumes. Ouais. Attends, je vais donner un coup de fil. Tu vas voir. Ça, mon vieux... Tu vas faire. C'est pas du temps perdu. Allô? Professeur Hardy Petit? Oui? Ici White. Dites, on est sur le départ, Black et moi. Bon voyage. Oui, merci. Dites, professeur, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il vous manquait un monument réduit pour tenter l'expérience de reconstitution. Ah, en effet, malheureusement. Heureusement, vous voulez dire. Je ne vous comprends pas. Professeur, ça vous ferait plaisir d'avoir le lion de Belfort? Sur la Nationale 7, Black et White roulent à vive allure vers le sud, dans la direction de l'Italie, de la Yougoslavie, de la Turquie, de la Perse, de l'Inde, du Pakistan, dans la direction de l'aventure, dans la direction du danger, du mystère et, peut-être, de la victoire. Ça gaz, vieux White. Ça boum, vieux Black. On
On a déjà fait un bon bout de chemin. Ah, je te crois, on a dépassé Lyon, on dit. Ah, on fait une sacrée moyenne. On fait même une moyenne au-dessus. Au-dessus de quoi? Bah, au-dessus de la moyenne. Ah oui. Oui, ça n'a pas l'air de te faire rire. Ah, si, mais discrètement. N'oublie pas qu'on est dans un corbillard. Ah, dis, fameuse idée qu'on a eue de l'acheter, ce corbillard. Hein. Parce que t'as remarqué, sur la route, mon vieux, c'est comme en ville. Ah, exact, pas une bagnole qui cherche à nous doubler. Et les autres qui se rangent sur le bas-côté pour nous laisser la priorité. Avec toujours le coup de galure à la clé. Et attention, attention, un passage à niveau fermé. Ça existe pas pour nous, ça. Bah, t'es dingue, quoi, freine, bon sang. Mais non, laisse-moi faire, tiens, attends. Là. Tu vois, la barrière s'enlève. Mais il y a un train qui arrive. T'occupe pas, je te dis. Tiens. Tu vois, hein? Ça alors, le train qui s'arrête. Mais c'est normal avec notre bahut, mon vieux. Priorité partout. Oh, et pas tant, quand je pense qu'il y a pas longtemps, on a failli crever dans un coffre à la UBAB. Ouais, on doit une fière chandelle à Socrate. Je pense bien, sans lui, on y passait. Remarque, on aurait fini dans un corbillard comme aujourd'hui. Ah oui, mais pas à la même place. Oh, dis donc, regarde un peu à droite, là. Quoi donc? Une station d'autogramme. Station d'autogramme? Ah oui, tu vois pas le grand panneau, là? Si. Eh, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Attends. Attends, ralentis. Oui. Autogramme pour la voiture 66DCD75. Eh, c'est pas bête, ce truc-là, hein? Ah non. Dis donc, ah oui, j'en ai entendu vaguement parler. Comment ça fonctionne, au juste? Oh, bah, c'est tout ce qu'il y a de simple. Quelqu'un veut toucher un automobiliste en route. Hein, tu me suis? Oui, comme d'une cheminée. Ouais. Oui, bah, je te suis de cheminée. Quoi. Oui, non, c'est amusant, ça, c'est très drôle. Bon, alors, tu m'écoutes ou pas, oui? Oui, oui, c'était bon. Cool. Alors, le gars calcule à peu près l'endroit où le type qui veut alerter se trouve sur la route. Ouais. Il va à la poste, il rédige son autogramme, qui est immédiatement transmis au plus prochain poste devant lequel le gars doit passer. Ouais. Alors, on met un panneau comme celui qu'on vient de voir, portant le numéro d'immatriculation de la bagnole, et si le mec ne voit rien, bah, il continue. S'il le voit, il stoppe. Il descend, on lui remet son message, il fait ce qu'il veut, à ce moment-là, il se... Enfin, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, t'as compris? Pas très bien, non, tu veux pas répéter? Oh non, j'ai déjà eu assez de mal à le dire une fois. C'est pourtant clair, bon sang, quoi. Ouais, enfin, il s'agit de réaliser, ben quoi. Oui. Ah oui, j'y suis, parfaitement, alors pourquoi on s'est pas arrêté tout à l'heure? Pourquoi on s'est pas... Qu'est-ce que tu racontes? Ben, il y avait écrit 70, DCD 75, c'est notre numéro. C'est... Ben... Oh, bon sang, mais c'est vrai. Allez, on fait demi-tour, attends. Pardon, monsieur, vous avez un autogramme pour nous, il paraît, 66 DCD 75 Attendez, voyons, 66 DCD 75, Oui, voilà, monsieur. Ah, merci bien. Là, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, bah attends, ferme-la, attends que je l'ouvre. Oui. Là. Oh, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tiens, lis. Ouais. Urgent, stop. Vous attend Marseille, Marignane, 18h, signé Carole. Bon sang, dis donc, mais ça doit être grave, on l'a quitté hier soir. Allez, en route, toute la gomme et à tombeau ouvert. Ah, ça va de soi avec un corbillard. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.